partenariat qu'on a souhaité conclure avec le club de Saint-Chamond-Vallée-du-Gier, en fait, il s'inscrit dans une logique de l'entreprise où nous, en fait, on est acteurs du territoire. Vestas transporte plus de 46 millions de voyageurs par an dans toutes les villes de la métropole. Et on souhaite, en tant qu'acteurs du territoire, soutenir les démarches d'associations sportives, culturelles, qui s'engagent en fait sur le territoire et qui sont porteuses de valeurs qui sont importantes pour nous, à commencer par la simplicité, une forme d'optimisme, de confiance, de porter des projets qui sont importants en termes de social, sociétal. Donc c'est ça qu'on a reconnu au niveau du club. Alors le contenu du partenariat, pour l'instant, c'est de soutenir financièrement le centre de formation et de contribuer à son développement. En tant que transporteur du territoire, on propose la gratuité aussi pour tous les membres du centre de formation. Donc on leur met à disposition un abonnement de transport illimité sur tout le réseau. Le Saint-Chamond Vallée-du-Gier Basket, qu'est-ce qu'il représente pour moi plus spécifiquement, parce que en fait je suis quelqu'un du territoire, je suis né ici, j'ai grandi ici et j'ai joué près de 30 ans au basket, donc j'ai souvent et beaucoup joué contre Saint-Chamond quand j'étais notamment dans les catégories jeunes, on aimait bien se tirer la bourre. Donc quelque part voilà, ça me fait sourire aujourd'hui d'en être un des sponsors, mais c'est pour la bonne cause, c'est très sympa et en tout cas c'était toujours des beaux matchs quand on jouait contre Saint-Chamond, parce que déjà à l'époque c'était un club qui avait une grande tradition de formation. C'est le sport et notamment la façon dont il est incarné à Saint-Chamond. C'est un endroit où on donne leur chance aux jeunes et on les met dans les meilleures dispositions. Moi, dans les échanges qu'on peut avoir avec les gens du club, ce qui est intéressant justement, c'est ce côté l'approche de la compétition, mais pour faire grandir les gens et pas pour les mettre en situation d'échec en fait. Et ça, c'est vraiment important. C'est de se retrouver dans un milieu où on va à chaque fois vous donner le niveau de difficulté qui vous pousse à vous dépasser, mais sans subir les choses. Ça, c'est un environnement qui permet de grandir à tout point de vue, y compris au-delà du sport. Alors moi, en plus, je le dis parce que j'ai vécu ça, de m'investir dans le sport, de passer mes diplômes d'entraîneur. J'avais des copains qui arbitraient, enfin, on était tous très investis dans le club. Et ça nous a permis, en termes de maturité, en termes de vie d'homme, quoi, de grandir, en fait.